parti, hein. On est parti sur ce gouffre. Allons-y. Les go. Alors bien sûr, notre ami vont à la pêche avec son fils. En fait, voilà, et après, il y a des pirates qui arrivent et tout. On a la particularité de ce jeu, exactement, la particularité, on pouvait jouer donc à deux joueurs en simultané, c'est-à-dire qu'on faisait de la coop. Voilà. Et donc là, on a le choix entre le père, le fils, et là, le premier player avec le père, le deuxième player avec le fils, ou choisir donc le premier player qui prend le fils, et le deuxième player qui prend le père. Bon, vu que je suis tout seul, on va le faire en classique, hein. Donc voilà, on voit les niveaux qui vont vers le bateau. Donc on est là avec notre ami. Alors ça c'est... Il y avait un petit passage là je crois. Ça nous donne des petits cœurs. Des petits cœurs, les cerises. Donc là, le grappin c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que beaucoup de la mécanique de jeu va utiliser ce grappin donc pour soit taper les ennemis, soit pour choper des caisses, soit ouvrir des passages, etc. On va voir notre petit ami, celui-là c'est un ami. Il disait que c'était un endroit sympathique, mais maintenant voilà, il y a les pirates qui sont venus. Donc résultat. Voilà. On doit éliminer tout ça pour avancer dans les niveaux. Après c'est tout un système de puzzle. Ah, vous avez bien vu. Aïe. Totalement à l'ouest là. Je reviens. Voilà. Ah bah c'est une feinte en plus. Voilà. Bon là c'est assez simple hein. On a une pierre avec des étoiles, on doit placer pour ouvrir en fait tous les passages. Alors deuxième petit item, on a la pioche. Qu'est-ce qu'on fait avec la pioche? Eh ben on va... Là on choisit la petite pioche et on va creuser et non pas piocher. Je sais plus bien ce qu'on cherche, c'est une clé. Sûrement. Au fond. Absolument rien. Oh, j'ai pas de chance, j'ai rien trouvé. Pas le passage. Si hein. Des petits oursins. Des pirates. Ah. Là, ça va beaucoup moins le faire. On a notre grappin. Hein. Hop. Une petite vie. Donc il nous faut la clé. C'est sûrement ça qu'il faut qu'on chope au sol. Voilà. Une petite clé.
la droite là. Petit échange. Lisez en bas là. On a la place que pour deux objets. Utiliser à bon escient. La petite planche, assez. C'est chaud le mec. T'as vu? Voilà. Si on avait le grappin, on pouvait choper les bananes. Voilà. Ah ah, l'astuce. Par ici, par ici, par ici. Et par là. Voilà, on récupère la petite clé. Rugé là. Et tu. Ouf. Il y avait quoi? Débloquer ça. Faut bien qu'on ait le grappin quand même. Alors, pour récupérer une autre clé. Alors, une, deux, une, deux, une, deux. La logique voudrait ça. Mais... Ah si. Okay.
Voilà. Résolu. La petite clé pour récupérer la grosse clé. Purée. Je me suis tapé sur le truc. Ouais. Alors la grosse clé, on va l'utiliser ici. Ça c'est pour les attirer, ouais. Petit. Pas embêté. Non. Ah, le premier boss. Ah oui, bien. Récupérer les tonneaux pour leur balancer. Voilà, je m'en souviens. Là on en a plus, on met les bras et on attend qu'il nous balance un petit tonneau. Voilà. Ah, faut viser bien. Balance un tonneau. Oh là là. Saleté. Ah, on peut récupérer aussi les bombes, je pense que c'est que les tonneaux. Ça sert, je prends, je prends. Ouais. C'est un truc, quoi. Un ou deux. Attends qu'ils viennent là. Ah, saleté. Saleté. à choper. Donc voilà, on a chopé déjà des petits sous-fifres de pirates. On avance. Directement, il y a du monde autour de nous, quoi. Les gens. Petit village. Des trucs à creuser là. Alors, la logique, ça veut ça. Ah.
Là j'ai mal fait déjà. Et oui. Ah et là ça est là, ok. Réessayer. Voilà. Résolu. Voilà l'utilité du crochet. Traverser. Rapin plutôt. Il nous faut une planche aussi. Planche, elle est là. Dis donc, il est en train de me saccager mon truc là. Non! En train de changer le truc. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aura besoin. La clé. Et là, il faudrait qu'on récupère l'autre clé qui était de l'autre côté. On reviendra. On va déjà utiliser la planche.
Parce qu'on peut. Et... précis, hein. Bon, ça ne veut pas. C'est une belle mécanique en tout cas. Bon petit jeu. Indémodable. Ça se fait tranquille. Je vais faire en coop, donc c'est un truc qui est un jeu intéressant. C'est des jeux qu'on peut faire genre attends, je vais faire une run. En train de me saccager mon truc là. Quoi. Yes, ils m'ont saccagé. Ils m'ont saccagé. Pour recommencer là. Oh là là. Juste quand j'allais lui mettre un coup de savate là. Petit venez là. Non. On va essayer de s'en sortir avec ce qu'on a. Si. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh bah non. Ah si, peut-être. Hello, Yeko.
Il est solvable. J'ai trouvé. J'ai vu le. Non, j'ai vu. J'ai vu, non, j'ai fait une connerie là. J'ai fait une connerie. Je voulais balancer une ici. Ah, j'ai fait l'idiot, je pense. Plus maintenant, ouais. Exactement. Ouais, parce que c'était celui-là que j'allais balancer pour avoir une marge pour pouvoir faire ce petit chemin-là. Purée, quoi. On est reparti. Déjà, je vais essayer. C'est bon, ils se détruisent les uns les autres. Bon. Alors. Est-ce qu'il y a moyen? Donc celui-là, il n'a aucune chance. On le met pas là. Celui-là, il n'y a aucune chance si on le met pas là. Et c'est débattouillé. Oui, mais c'était ça, c'était l'autre. Hein. C'était l'autre. Est-ce qu'il y a moyen? Alors, par là, on peut pas. Déjà. Obligé que ça va par là. Et on est re dans la mouise. Là non. Ouais. Là il n'y a plus moyen. Moyen. Bon, on va essayer. Viens là. Fais pas l'idiot. Fais pas l'idiot. Voilà. Bon. Il y a moyen de faire quelque chose. Je vais quoi. Enfin pas en plus hein. Il est balancé celui-là vers le bas. Ou peut-être pas. Et il peut aller que vers le haut ou vers le bas. Ah, vers le bas celui-là. Vers le bas. Là je pense, alors celui-là, je le balance par là, donc il va vers le bas. Celui-ci. Celui-ci. Ah bah si. Celui-là, bah, il va dans le coin là-bas. Celui-là, je le balance ici, tac tac, il va dans le coin. Ah bah normalement c'est bon. Normalement ça devrait aller. Celui-là. Ouais. En train de réfléchir, de voir si. Ouais. Et ben dis donc. Le plus chiant, c'est vraiment s'il y a, y a les ennemis qui font. Des cochonneries. Hein. Oh là là, et vas-y, c'est bon. Saleté de bombe. On évite que je. En fait, je. On va pas venir tout de suite. En fait. Sortie, bof bof. Alors, j'ai une clé. Ouais, vas-y quoi. Alors, on pioche. On a besoin de piocher en fait. On a déjà la clé là.
Ouais, ça rajoute un peu d'aléatoire, exactement. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là. J'ai déjà la grosse clé. Viendrai au cas où. Ah, il faut le grappin. Et le grappin, on revient voir. Pioche. Il en faut un deuxième maintenant. Est-ce qu'il y a un deuxième grappin dans, dans ce bazar là-bas? Purée quoi. Dans la salle à droite, il y avait un grappin. En haut. Je peux pas y accéder. Donc il faut que je trouve un grappin avant. Vérifier juste qu'il y avait quelque chose. Vous parlez de cette salle là? Ouais, cette salle là, il y en a. Ouais. Baisser les bras juste à ce moment-là. Ah, je me souvenais plus qu'on pouvait balancer. Tellement se tirer dessus, les dégommer. Donc. Ah oui, on peut tomber. Ah, il n'y a pas de. Je sais qu'il y avait un mur invisible. Je pensais. Ah. Continuante. Hein. Pas de petits barpades là-haut. Là. Boss. Alors il y a un tronc. Saleté.
Ah! Ouf! Donc on arrive à un petit... une forteresse pirate. Alors je sais pas si vous l'avez fait à l'époque. Je l'ai connu à l'époque aussi. Je suis bien déléré en coop. Les fantômes. Ah, les fantômes, faut faire quoi? Faut les regarder? Non. Pas comme dans Super Mario. Il est bien vénère le mec là. Passage, ok. Et mais lâche-moi quoi. Ok, ok. Ah, pourquoi Bon, ça va. Ah, où est-ce qu'il faut une bombe? Une bombe pour le péter. Comment? Il y avait pas d'autre passage, il me semble. Il n'y a pas d'autre passage, je pensais arriver vers le bas, mais on peut pas. Voilà. On va voir s'il y avait d'autres passages. On peut. Ah oui, sur le côté, ah oui, j'ai pas fait gaffe. Pas fait gaffe, il y avait des entrées là. Bah non. Pas comme ça. Réfléchissons. Alors soit je suis pas passé assez vite. Faut pas une autre méthode. Ouais, voilà. Et... purée! Oh là là! Le timing! Hein. non, le grappin ça lui fait rien. Ça lui fait rien, je suis obligé de lui balancer un pot dans la tête. Alors là, c'est un labyrinthe, on est bien d'accord.
Je prends, hein, j'ai pas d'autres alternatives. Fais quelque chose. Ah oui, peut-être ça, ouais. Exactement. N'est pas. Non, ça fait rien. Soit il y a eu un problème de hitbox, soit ça fait rien. Ça va trop vite, j'y arriverai jamais en courant. Je retente, je retente. Je suis en face, hein, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tenter ici. Ah, je pouvais le choper, ok. Je sais pas qu'on pouvait le prendre. Là, finalement, on va en avoir besoin. Je pense. Je pense, hein. Je vais me taper le truc, y a rien. Faisons. On se croirait dans Animal Crossing. Le plaisir de... farmer. Eh ben dis donc. Bah, au moins je l'aurais fait. Bon, on pourra pas dire non, je vais faire ça, mais non. Moi je vérifie. Je m'en souviens plus. Je résous les énigmes pour les autres. Enfin, on a sûrement déjà fait depuis très longtemps. Hein. C'est la chasse au trésor. Hein. Alors, statistiquement, hein, il y a plus de la moitié, je pense qu'il n'y a rien. Mais la science me dit de continuer. Persévérer. Statistiquement, on est vraiment très loin d'avoir quelque chose ici. Hein. C'est du foutage de gueule l'appel, hein. J'en ai pas eu besoin pour l'instant. Pas eu besoin pour un truc utile. Ah là là. Statistiquement, c'est Osef, hein, y'a rien. Voilà. Vous le saurez pour la prochaine fois.
Ah, on peut en envoyer deux. Tiens, j'ai découvert un truc. Alors, est-ce qu'il y a un passage? Oui, un passage. Ah non, mais c'est quoi ces gens? Balance. Attra de papier. À lui. Eh ben non. Mal joué. Petit. Bon, je l'ai fait à l'envers là. J'allais pas le laisser comme ça, le petit. Voilà, on a peur de rien. Un grappin. Une salle toute vide. Alors, open, c'est ce qui est écrit. Et il y a une clé sur, à côté d'un gouffre. Le chevalier, et on va lui faire la tête. Ah, c'était avant qu'il se relève. Bah non. Tellement recommencer là. Des munitions. Purée! Fallait que ça tape sur un pixel invisible, quoi. On retente. Là. Ouf! Alors j'avais pas vu le chat, hein, excusez-moi. Il y a un papier au mur dans la salle du dessus. Alors on y retourne. On y retourne après. Hein. T'inquiète. Alors peut-être qu'il faut même pas que je les tue. Open, c'est tout. C'est aussi simple que ça, quoi. Ah, y a un ordre spécifique sur... Comment ça? 2, 3, 4,
Mais arrête de... Alors, on a une autre clé. Voilà. Ça, on va. Là. J'ai même pas besoin de clé. J'ai loupé un truc, c'est pas grave. À prendre quand même, hein. Pour notre mal en patience, on a réussi. Alors, la clé, on en a besoin. On a besoin aussi d'une planche, hein, je pense. Il me semble. On n'a pas de grappin. Ah si, ou un grappin, ouais. Ou un grappin pour aller en bas. Ouais, un grappin. Ouais. Là. Saleté. Je prends au cas où. Même si je les changerai là-bas, je pense. Avec la bougie, hein. Eh ben non, c'est tombé juste devant. Non! Quel con! Le con. Ah, vengeance. Heureusement, j'en ai encore un. Non, il chope les trucs lui.
Bon, je reviendrai. Voilà. Alors, on n'a pas grand chose. Alors, squelette, rouge et bleu. Ah. Oh là là. Elle va lancer sa tête. On peut choper sa tête, non, je pense. Est-ce qu'il faut tirer sur sa tête? Oui, c'est ça. Balance des trucs là. Enfin quoi. Pif. Oh là là. C'est pas folichon hein. Je vous le dis. Et on avance dans la grotte. Juste à côté. Pas ouvert en gros là. Ça s'ouvre en haut. Alors, énigme. Énigme. Je tente au feeling. Et ça passe. Ça passe. Donc là, normalement, ça devrait ouvrir à côté, je pense. Exactement. Balance ton truc.
Oh là là! Oui, alors ça fait exploser quelque chose. Poser ça pour récupérer les deux diamants. Là, c'est le buté. Okay. Les deux bougies. Ah, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc faut mettre. Pas d'ordre spécifique. Rapidité. Je pense qu'il y avait un ordre, mais non. Purée. Si je comprends bien, je suis retourné au début là, non? Ça? Ah non. Bon, ça, vu que c'était le même niveau. Ça y ressemblait. Alors, non, on va rester là. Petite énigme. À côté. Non. Ah,
déjà faire ça, ça évitera d'avoir des cracheurs de feu là. Et ben non, ça les arrête pas en fait. Dès que je me mange le seul que j'ai vu venir. Eh ben dis donc. Et venez tous. Eh ben non. Passera. Les avoir direct. J'ai une idée. Voilà. Vraiment comme ça. Quel zigoto quoi. Lave. Ah bon. Oh là. Attentif, je l'étais pas. Et il va speed. C'était juste. Thank you.
bien, je sais. Ici. Ah, j'ai fait une erreur, je pense. Ou pas, si je fais ça. Non, voilà. Plus ou moins. Bon, ça. Ce serait bien qu'il vienne en bas là. Il a explosé. Non. Ah si. J'ai eu de la chance. Sinon j'aurais eu avec la pierre. Alors un grappin. Ne veut pas. Alors. Donc déjà ça, faut que ça aille jusqu'ici. Vu que c'est jaune, faut que ça soit rapide. Quel serait le chemin? Le chemin. Déjà, là, c'est ça. Voilà. Alors, celle-ci, on pourrait faire le même chemin. Par là. Celle-là. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Puis de venir là. Là. Et elle va pas au bon endroit.
Vous avez une petite idée là. Non. Celle-ci. Voilà, là, là. Là. Ah bah si, c'est ça. C'est ça. J'ai trouvé. Ben. L'étoile droite sur l'étoile gauche. C'était la théorie inversée. Je voulais buter les verts et à chaque fois c'est les rouges quoi. Ils arrêtent de balancer leur sabre. Ça sent le boss, mesdames et messieurs. Ça sent le boss. Ah oui, mais il faut pas tomber non plus. Ça va à peu près. Ça va moins. Ça va moins quand c'est comme ça. Alors ici, normalement, il n'y en a aucune qui passe. Je suis pas certain. Aïe. On a juste à esquiver ce qui tombe. Sur les... en étant ouais bah oui c'est vrai quand il chope les tonneaux mais en fait après ça va ils ont chopé aucun. Ah j'ai loupé. Ouais je crois que la technique safe c'est d'être ici quoi. Safe, safe place. Ah. Toi sur la tête. Ah bah. Forcément, si je... J'avais pas vu l'ombre. Eh, dis donc. Ah ça m'arrange si je peux leur balancer déjà si je vois leur tête. Il
Eh, rapide. Ouf. Bon, il reste plus qu'une. Petit. Voilà. C'est bon. Tout est ok. Notez le code, bien sûr, si vous voulez continuer le jeu. Alors, bateau pirate, allons-y. Et bien sûr, comme c'est Goofy, et Daisy aussi. Allez, go. Jamais sans Otono. Musique de pirate, hein. Oh purée, j'ai loupé le premier, faut pas que je me loupe en fait. Eh bien. Voilà. Bon portant, hein. Il a pas peur. Alors, dans la cale, ligne, hein. Ça doit pas être ça, hein. Ça va pas être ça. T'as pas le temps de voir le code. Bah tu verras sur le prochain. Définitivement, si on fait ça, bah on est bloqué, hein. On peut rien faire. Hein. T'es obligé de recommencer. Allons-y. Allez. Bon, évidemment, ça doit pas être par là. Ça doit être par ici. Dégage tout. Là. Forcément, non. On va être encore bloqué. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Analysons. Il faudra réussir à passer vers le haut. Et réussir à passer vers le haut pour que celle-ci, je la pousse vers le bas, et l'autre, je la pousse vers le haut. Donc, comme ça. Voilà. Ah, forcément.
forcément. Oui, j'ai vu que t'avais, mais... Et que je résous de moi-même. Alors ça fait quoi, ça? Ah, ça balance. Bien, ça. Hop. Ah, ok. Ne passe pas. Hop. C'est pas le fou. Bon, le vert là, c'est le plus chiant. Voilà. Voilà. Une chose de faite. Lui, là. À renvoyer. Chance. Merci. Cool, hein, mais... C'est comme ça. Alors. Ouais, je crois avoir vu ce qu'il faut faire. Ça, c'est la manière la plus rapide. Je teste. Peut-être que non, mais là, il y avait plusieurs solutions. Ah, juste. De justesse, hein. De justesse. Alors, ça, c'est les canons. On sait les tuer, mais... Voilà. C'est plus simple. Récupérer, on a rien là. Ah si, on a une porte, on a juste une porte. Ah, j'ai loupé. J'ai pas loupé. Oh, on va voir. Petite énigme. Deux petites étoiles et une étoile à trouver l'emplacement. Ça tape. Ça retape. Et la perspective en fait, la perspective elle est mal faite. Elle est mal faite parce que ces caisses en fait, regardez, elles vont jusqu'ici. Alors que normalement la logique voudrait qu'elle soit de deux cases. C'est ça qu'il voulait faire, mais non. On m'a fait la perspective. Alors. Celle-ci de préférence, ça va être une butée, je pense. Ça va être une butée. Si c'est une butée, celle-ci, elle doit aller quelque part. Quelque part, quoi. Ou est-ce que c'est l'eau qui va servir de butée? Celle-ci, en fait. Et oui. Ça doit être ça.
C'est ça la gruge. Il est malin, il est malin. Que vous y avez pensé à la maison, hein? Sûrement, sûrement. Allez. Ça, c'était le deuxième grappin qu'on avait besoin. Pour pouvoir passer ici. Déjà, vous viewers aussi, voilà. Faites un petit coucou dans le chat pour savoir déjà qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous passez une bonne journée? Ça, c'est important. Alors, est-ce que vous appréciez le jeu? Moi, personnellement, c'est très sympathique. Je le trouve très sympa. Alors. Là, faut aller vite parce que les petites dalles vertes vont exploser avec un timer. Faut trouver le bon timing. Bon, on va faire le safe. On va ouvrir déjà celui de la clé. Je crois que j'ai trouvé le truc, quoi. C'est simple, hein, pour la clé. Ah, soupen. Oh purée, j'ai tapé de... à côté. Ah, je pense que c'est par porte en fait, on peut le faire que par étape. Journée très tranquille. Alors, est-ce qu'il y en a, parmi vous qui sont en vacances? Ils ont fait des petites vacances comme ça de boulot, des vacances peut-être d'école, je ne sais pas, si vous avez des examens, je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'on avait besoin d'une clé? Je me souviens plus. En arrière. On va voir. Est-ce que c'était... Oui, on n'a pas été ici. Ah, donc la salle. Tac, 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 ok. C'est d'étudier le chemin. Hein. C'est pas garanti que ça marche. Alors est-ce qu'on le fait au YOLO, hein, et on teste, ou est-ce qu'on étudie le chemin? Dur là. Allez, YOLO. Ah bah non. Ah, y a un chemin, je viens de voir. Attends. Là. Ouais. Pas folle la guêpe. Passer dans le safe là. Voilà, safe. On va tester encore en bas là. Ah, je sais pas, je vais voir le temps. Si j'ai eu le temps. Bon, c'était plus facile que ce qui paraissait. Hein. En fait, si tu jouais la gruge, ça passait. Mais forcément, c'était pas là où il fallait venir.
Comment tu peux faire là? Rien à faire avec le grappin. Ah. Bon, on teste, hein, on teste. Eh bah merci Fresh One. Hello hello, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Alors ça marche sur les interrupteurs, les tonneaux. Et bah c'est pas idiot parce que j'y ai pas pensé, ça m'est pas venu à l'esprit là. Mais peut-être. Exactement ça. Merci, merci. Ça m'est pas venu à l'esprit quand j'étais comme ça. J'aurais pu y arriver après, mais... Donc merci à Fresh One pour le host. Ah, c'est pas cette clé là. Bon, bien. Non. Sérieux? C'est pas cette clé là, les enfants. Pourquoi ça ne marche pas? Ça doit être une grosse clé, donc c'est pas ce chemin là. Faut qu'on trouve une grosse clé. Sûrement l'entrée du boss. Où est-ce qu'il y avait besoin d'une clé? Une petite clé. Reste au début. Ah, je me suis enfermé. Non. Alors déjà, celle-là c'est sûr. Celle-là aussi, on est safe. On est safe. On peut tester comme ça. Hein. Ah, et on va rester bloqué. Salopio. Pas de passage là, ce... Par le bas, ouais. Par le bas, bah on va retester, on ressort. Ça c'est safe. On est d'accord que c'est safe. Stay safe. Ah oui, en bas, oui. Les solutions les plus simples sont les plus compliquées. Hein. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas. On a balancé le truc... attentif. Il se barre, le mec, là Je suis en train de rebrousser le chemin, je sais même pas pourquoi, hein. Je sais même pas si c'est ça. Hein. Il se peut que non. Ouais, il se peut que non, exactement. Pas du tout par ici. Pas du tout. Ah bah c'est pas grave. Ouh là là, vous avez vu la vie qui défilait devant les yeux là? Bon, on est obligé de refaire ça. J'ai oublié l'ordre.
J'ai oublié l'ordre. Pardon. Non, ah oui, c'est ça. Oui. On va voir, remémorer. On imaginer. Aller plus vite. Où est-ce qu'on a besoin d'une clé? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé quelque part? On va repasser ici. Il n'y a qu'un passage. On va repasser. Hein. Non. C'est bon si je balance tout. Un endroit où j'ai pas fait gaffe. Oui, il y a eu un bug, hein. Il y a eu un bug avec la clé. Je dis plus rien. Ah, c'était ça. C'était ça le truc. Oui. Forcément. Un ennemi, hein. Ah, c'est là. Ah, un ennemi. Le bordel. Pas la sortie. Ça passe, non, ça ne passe pas. Je vais le faire appuyer sur le bouton. Non. Ah, c'était bien parti, hein. Alors pourquoi est-ce que j'aurais besoin de deux grappes, hein? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de deux grappins supplémentaires? Ah, est-ce qu'il y a une autre sortie par ici? Rien d'autre. Non, rien d'autre. Alors là, dans cette salle, il n'y a aucune autre sortie. On vient juste là chercher des grappins. C'est quoi? Chose, hein.
chose. Non, il n'y a pas de sortie. Alors là, on est dans le puzzle. Ah, peut-être par ici, je suis pas allé. Voilà. On avance, on comprend, on comprend. Voilà. Alors, je vais chercher les deux grappins. Parce que c'est un move judicieux. Un move judicieux. Je vais chercher maintenant les grappins. La petite sonnette, ouais, c'est... Je pense que c'est judicieux aussi. Un tirer l'autre. Le passage, c'était par là, je crois. Pensez le level design, monsieur. Level design. Ils avaient tout étudié à l'époque. C'est aux petits oignons. Purée quoi. Saleté. Non. La précipitation, ça s'appelle. Oui, qu'on va plus vite que... Comme ça. Alors, on a des trésors. Alors, on a deux grappins, des trésors, des trésors. Une étoile. Ah, alors. On va retourner ici parce que j'ai pas exploré. Trésor, trésor. Ah, la clé, elle est là. La clé qu'on a besoin. On retourne. Avec devant. Eh ben, il s'est tendu, c'était pas programmé. Oui, c'était pas programmé, donc je sais pas si on est vraiment sur la fin. J'ai peut-être bien envie de finir, ou je reprends tout à l'heure. Ah oui. C'est le teasing maximal. Le teasing maximal, c'est-à-dire qu'on est à la fin du jeu, et tu finis ton stream. Mais euh...
Oh là là. Saleté. Attends, il faut que je commence par ici, c'est ça? Je suis pas embêté comme ça. Ouais. Plus je suis pressé, plus ça prend du temps. Deux étoiles. Le YOLO le plus total. Ah, pour récupérer les grappins. Ouf. Là, chance. Hein. C'est bien passé. Lélé, on approche de la fin. Ah, c'est le canon. Et voilà, boss de fin, on y va. Alors, si on y arrive. Ça. Hmm.
Purée. Oh là là. On est pas là. Bon, pour l'instant, c'est assez relax, hein, c'est assez relax. On est attentif au pattern. Oh, il peut retomber juste. Balance des bombes. Juste sur la fin. Ah bah voilà, c'est plié. Hein. C'est plié. Alors le temps, bien sûr, le temps. Comptez pas sur ça parce que j'avais fait la pause. Mais voilà. Niveau 5, c'est fait. On a sauvé, on a capturé le pirate. Et voilà, voilà, on a fini. Alors là, il nous montre des exemples. Je crois que c'est. Ah. En fait, ils sont en train de faire le résumé de tous les ennemis, normalement. Avec leur nom. Ah, ça va être le stream le plus rapide de l'histoire. 8 minutes. Allez, j'avais dit, hein, c'était juste pour finir. On peut faire un petit peu de rab avec ce qui est en prévision. On peut discuter juste un petit peu, ouais. Ouais, parce que... Ah. Là, c'était Jack. Ici c'est Rob. Petit jeu sympathique, hein. Petit jeu sympathique, on va dire entre si on le fait d'affilée, voilà, 1h30, 2h. Un jeu vraiment cool. En plus, c'est sympathique à faire en coop. Ouais, c'est en privé. D'ailleurs, je sais même pas la cote. Hein. La cote de jeu là en ce moment. Hein? Allons voir combien ça vaut en bouffe troupe ces temps-ci. Alors, complet en boîte, fra
sur Super Nintendo, on est à peu près à 40 euros. À peu près à 40 euros. 30, 40 euros, voilà. 40 euros, c'était avec complet, notice, etc. D'ailleurs, je suis en train de voir un exemplaire blister rigide. La personne en veut 520 euros. Et ben, je peux se le garder. Voilà, voilà. Donc voilà, on voit le petit générique. Là, comme ça sera tout propre pour monsieur YouTube. Voilà, et d'ailleurs j'en profite, voilà, on fait l'espace promo. Voilà, donc n'oubliez pas de suivre tous les streams donc sur twitch.tv/vicostv, exactement, si vous voulez les souscrire, si vous avez Amazon Prime, etc. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez simplement souscrire à la chaîne et aider le créateur, moi-même, voilà, pour l'évolution de la chaîne. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, bah, n'hésitez pas aussi de vous abonner à YouTube, voilà, un petit truc sympathique, comme ça vous verrez des vidéos sur des jeux vidéo. Faites des commentaires, faites des likes ou des dislikes, ce que vous voulez, des pouces vers le haut, des pouces vers le bas, allez-y, vous gênez pas. Mais au moins, si vous mettez un pouce, dites « Ah, moi j'aime bien ça ». Vous mettez vers le bas, vous dites « Ah, j'aime pas ça ». Voilà, comme ça on permet des remarques constructives. Alors le temps total là, on est bien d'accord, voilà, il y a eu la petite pause et le jeu tournait, donc voilà. Regardez pas trop ça, donc c'est environ de 1h30 à 2h de gameplay effectif. Voilà. Alors et là le jeu est totalement figé là.